Une autre émission dont jase avec Pirlo, le printemps s'est installé, il semble que le beau temps s'amène. Et c'est une émission que j'aime aujourd'hui parce qu'on a un rescapé, un gars qui est allé au combat, qui va faire une marche très importante dans les prochaines semaines pour commencer l'émission, un petit magogois qu'on aime. Puis on va terminer l'émission avec un gars que vous allez aimer également parce que lui est décédé deux fois sur deux tables d'opération de deux hôpitaux de la même journée. Il est ressuscité, il est un grand combattant et il va être avec nous à la fin de l'émission. Sébastien Jacques, bonjour. Bonjour. Je veux parler de Dino Massanotti, qui est un grand coach de hockey et qui, à sa huitième journée dans le coma, les médecins ont demandé à sa conjointe et à son fils de le débrancher. Son fils a dit non. Deux jours plus tard, il reprenait vie. Et aujourd'hui, un an plus tard, eh bien, il est un grand combattant qui fait comme toi des conférences et qui veut un jour revêtir l'uniforme de hockey, parce que c'est lorsqu'il joue au hockey en février 2016 que l'ACV est arrivé. Ah, et voilà. Ouais. Ça va être un beau témoignage comme le tien. Ben on l'a déjà fait ici, ouais. Avec tout ce qui est arrivé pour toi. Et déjà, ben 2015, ça fait deux ans. Puis tu as l'air d'un gars qui est en super forme. Là. Comme si rien n'est arrivé. Mais j'ai repris la forme trois mois après l'opération. J'étais déjà en train de voyager partout dans le monde puis profiter de la vie. C'était supposé prendre un an de rémission. Disons, mais après trois mois, j'étais déjà parti. Puis je reviens d'un an en Australie aussi. Oui, parce que j'ai vu que tu avais aimé ça. Puis tu étais parti pour peut-être trois ans. Mais là, il t'est pris une idée soudaine de dire « je veux réaliser quelque chose ». Oui, exact. J'ai eu cette idée-là. J'étais en train de marcher sur la plage en Australie. Je prenais beaucoup de marches. Puis j'ai eu cette idée-là que moi, il faut se rappeler que j'étais plus capable de marcher plus de 15 minutes par jour. C'est que pour moi, ça, c'était très frappant. Et puis j'en suis reconnaissant maintenant. Quand je marche, quand je monte des marches, des affaires que j'avais vraiment de la misère à faire, d'être capable de le faire. Donc, j'ai dit, pourquoi pas continuer à aller parler dans les écoles pour partager mon message, mais en faisant un autre défi de dire, ben, je n'étais pas capable de marcher 15 minutes par jour, me voici en train de marcher quasiment un marathon par jour pendant 7 mois pour partager mon histoire et message d'espoir. Oui, parce que tu veux aller faire les écoles et comme tu le dis, tu veux montrer aux gens ton parcours puis encourager les gens à foncer et surtout, et ça on ne dit jamais assez, à sortir de leur zone de confort. Ouais. Oui, mais c'était très important pour moi. Avant, quand j'étais joueur de tennis, c'est ce qui a fait que je suis devenu premier au Canada, c'était de repousser mes limites. C'est facile de rester dans notre confort, pas se réveiller plus tôt pour aller s'entraîner, pas faire les efforts supplémentaires pour atteindre un but quelconque qu'on a. Donc, pour moi, c'est très important de toujours sortir de cette zone de confort, d'être assis sur notre divan à rien faire. C'est pas là qu'on peut accomplir de grandes choses dans notre vie. Ouais. C'est un gars qui est issu du tennis, hein? Puis où il vient de passer un an, ça s'appelle l'Australie. Ouais. Ce qui est le monde du tennis, ouais. Et l'un des très grands champions, M. Rod Laver. Oui, ouais. Non, c'était assez incroyable. C'est un peu ironique que on m'a amené en Australie pour coacher. Pourtant, il doit avoir assez d'entraîneurs en Australie, mais j'ai eu une expérience absolument incroyable. C'est vraiment, tu sens que le monde vit pour le tennis et il y a des terrains de tennis partout. Puis c'est vraiment une belle énergie, belle atmosphère autour des clubs de tennis là-bas en Australie. Parle-moi justement de ce périple que tu veux faire. Là. Au départ, 800 km au Québec. Oui, bien là, je commence par 400 km au Québec. Par la suite, c'est 4600 aux États-Unis. Puis je reviens pour le 400 final au Québec. Ce qui va te faire un 800 total. Exact, oui, je fais 800 total au Québec. Mais 5000 en tout? 5400 au total. C'est quelque chose, ça? 5000. Oui, c'est une belle petite marche de santé qui... Mais c'était un parcours très symbolique aussi pour moi. Je voulais commencer au Québec parce que je suis d'ici. Mais mon itinéraire aux États-Unis, que je commence à Virginia Beach en passant par Virginia Tech, parce que mes problèmes de santé ont commencé. Et je finis à Santa Monica, en Californie, en serrant la main du neurochirurgien qui m'aura donné une chance à la vie. Pour moi, c'était évident. C'est un scénario d'Hollywood de film, ça? Oui, c'est ça. Mais non, c'est juste cette idée-là. Puis j'ai pas juste dit, ah, ça serait le fun. J'ai dit, faut que je le fasse. Et puis, par la suite, je reviens pour un petit victory lap, me dégourdir les jambes pour le petit dernier 400 km en faisant un Québec, Montréal, puis je finis dans ma ville à Magog. On commence quand? Le 1er avril. Ça ne sera pas un poisson d'avril, c'est bien le 1er... C'est une vraie journée officielle, un samedi. Oui, exact. Samedi, la marche commence au Quai McPherson, à Pointe-Marie, où est la tour. La marche commence à 10 h, mais on se rend compte à partir de 9 h pour que je rencontre les gens, On jase, on s'amuse avant le départ, mais le grand départ se fait à 10 h, mais j'espère que tout le monde peut se présenter à 9 h ou 9 h 30 pour que je puisse parler avec les gens. T'sais, cette marche-là, oui, c'est moi qui l'a fait, mais je veux que ça soit pour tout le monde. C'est pas juste moi, je veux que les gens viennent marcher avec moi. Et là, moi. Tu s'en vas vers? Vers Montréal. Oh! Ouais, ouais, première destination, Montréal. Je commence mollo quand même. Je fais juste entre 30 à 35 km les premières journées pour me rendre à Montréal le quatrième jour. Mais c'est quand même beaucoup. Oui. Il faut être en forme.
Oui, mais je trouve que ça va être un défi plus mental que physique. Tu sais, vu que c'est, il faut se rappeler que c'est de la marche que je fais, pas un marathon. Si je me donnais un défi de course. Non, tu cours pas, là, tu marches. Je cours pas, ça. Donc, je peux prendre 7-8 heures par jour pour le faire. C'est que ça va être plus mental, mais ça revient un peu à mes problèmes de santé. Je vais devoir y aller une journée à la fois, compléter mon 40 km, puis aller comme ça. C'est un autre défi que je me lance, mais je trouve que ça met un petit peu plus d'ampleur et de puissance au message que je veux partager. Tu prévois le faire en combien de temps, à peu près? 7 mois. Sept mois exactement. Oui, oui. Faut que ça soit. J'ai six mois aux États-Unis. Je ne peux pas dépasser mon 6 mois, mais je vais le faire en. C'est vrai, tu as 180 jours. Exact. Sinon, Trump va te mettre dehors. Exact. C'est ça. C'est que ça va prendre 7 mois au total. Ouais. On peut te suivre sur un Facebook que tu as fait. On peut te suivre également sur un site internet, sébastienjacques.com. Tout est là. Oui, exact. Allez sur sébastienjacques.com. Vous pouvez m'envoyer des courriels aussi, mais mes plateformes de Facebook, Instagram, c'est là. Parce que je vais vraiment faire des interactions avec les gens à travers de cette aventure-là. Je vais faire des Facebook Live. Puisqu'on va pouvoir me poser des questions en direct pendant que je marche. C'est que je veux vraiment que les gens ils me joignent dans cette aventure-là. S'il y en a qui nous écoutent et disent qu'on veut l'aider monétairement pour l'appuyer dans cette démarche, on peut le faire? Oui, bien... C'est pas prévu, mais ça peut arriver. Oui, c'est pas prévu. Je suis encore en discussion avec des commanditaires que je cherche encore. Je suis ouvert à avoir des partenaires qui voudraient s'associer à moi avec la visibilité que je vais avoir à travers de ça. Donc oui, vous pouvez me rejoindre sur mon site Internet, puis c'est sûr que je suis ouvert à des entreprises qui voudraient se joindre à ce message positif et à caractère inspirant pour les jeunes, surtout. Faites-y des belles casquettes comme Alex Harvick, le nom du commanditaire, mais ça coûte cher, ça. Hey, Sébastien, merci de ta visite. Bonne chance de 1er avril. Les gens seront au Kim Efferson 9h pour le saluer. Prendre des photos, signer des autographes, pas 10h. Tchoum! On s'en va vers Montréal. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Dans un instant, Steve Robert s'amène. Est-ce qu'il va nous parler du Canadien, peut-être des Nordiques, peut-être des Sénateurs ou des deux nouvelles glaces à Magog au lieu d'une qui s'ajoute à une autre? On ne sait pas. On verra. De retour sur le plateau, puis on peut parler de bien des choses. Des élections de novembre 2017. Non, il va être là, il ne va pas en parler pour l'instant, puis il a raison. Hey, Steve Robert, bonjour. Bonjour. On ne parlera pas des Nordiques qui ne sont pas arrivés, puis Bettman, ça a l'air qu'il ne veut pas en avoir. On ne parlera pas des Canadiens ni des Sénateurs. Dans la ville, vous avez cette semaine, à l'hôtel de ville, décidé que le projet de deuxième glace pourrait être mieux situé à l'école secondaire de La Ruche, et c'est privilégié. Et là, on a demandé une expertise d'ici juin prochain, si j'ai bien compris, à la commission scolaire. On a fait des démarches avec la commission scolaire pour pouvoir, si c'était un projet commun avec eux autres, c'est où qu'on serait préférable de le mettre. Eux autres, c'est sûr que pour embarquer avec nous autres, c'est sur le site de La Ruche est préférable. Fait que d'ici juin, des tests qui vont être pris dans le sol, voir c'est-tu correct, qu'est-ce que ça prend, pour être sûr qu'on va faire d'autres études aussi après, mais de base, on peut-tu faire ça à l'endroit qui souhaite le faire? Là? Questionnement que les gens se sont posés tout de suite, sans dire que c'est pas correct. Déjà, on va à un souper, on va à la remise des bulletins, puis il faut stationner presque jusqu'à la rue Sherbrooke pour ironiser un peu, parce qu'il manque de stationnement. Si on met deux glaces là, est-ce qu'on défriche le bois? Est-ce qu'il y a de l'espace pour ça? Parce qu'il y en a qui ne visualisent pas, là. Ils se disent, je peux plus stationner, ils vont mettre où les deux amphithéâtres? Ils vont mettre où les deux glaces? Ils se posent la question. Puis moi, le premier, d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de place sur le terrain de La Ruche. Là, les gens ne peuvent pas voir. Comme tu pourrais mettre beaucoup plus que deux arénas sur le terrain de La Ruche, puis ça ne paraîtra pas encore. C'est grand comme ça. Oui, c'est très, très grand. OK. Puis, pour ceux qui se souviennent, il y a aussi un chemin en arrière de La Ruche qu'on prenait anciennement, avant qu'ils fassent l'agrandissement, qu'il y a encore des places pour ajouter du stationnement à Ruche, c'est certain. C'est sûr qu'avec l'école, avec la piscine, avec les études, joueurs-études, on met en relief le triolet Sherbrooke et le complexe Thibault, sport-études. C'est peut-être un bel emplacement. Mais là, qu'arrive-t-il de l'autre aréna que tu connais si bien, que tu as grandi là-dedans, que tu diriges des jeunes là-dedans? On dit que ça va coûter trop cher pour la rénover, puis ce serait préférable peut-être de faire deux nouvelles glaces. C'est sûr que les coûts aujourd'hui d'un amphithéâtre, c'est gigantesque. C'est sûr que avant que le projet soit lancé, on va avoir l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec la glace actuelle. C'est sûr qu'on ne peut pas dire on va faire deux glaces, puis elle, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. Mais c'est sûr que si le projet vient qu'à aboutir, le projet de deux glaces, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne pourra pas... Tu sais, on va avoir du hockey à l'année. Fait que tu ne peux pas dire en année, on ne fait pas de hockey. Fait que la glace actuelle va nous servir pour faire la transition si jamais il y a le projet à La Ruche, là. Ça, c'est vrai. Parlons maintenant de la vraie raison pourquoi il est là, parce qu'il venait nous parler d'un sujet, mais comme c'est arrivé cette semaine, puis que ça fait tellement jaser à Magog,
qu'on n'avait pas le choix d'éclaircir la situation, surtout avec un gars qui prône les arénas puis les glaces parce qu'il est coach dans la vraie vie. Tu veux me parler de quoi au juste, là? Je veux vous parler de l'entente qu'on va avoir avec l'AMRAC. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, moi, depuis que je suis au conseil. Tu travailles fort là-dessus, toi. C'est un... Ton bébé. C'est beaucoup, beaucoup de... On met beaucoup d'argent dans ça. Puis, tu sais, les citoyens aussi, quand ils m'en parlent, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont contre, mais c'est une belle place, l'AMRAC, pour les gens de Magog. Je pense que c'est un beau bijou qu'on a. Mais c'est sûr qu'il faut évaluer les coûts. Les coûts, il ne faut pas que ça s'aille des... Depuis que je suis là, ça a tout le temps augmenté, depuis 4 ans. Puis moi, je trouvais qu'il faut contrôler les coûts pour que ça ne soit pas un enjeu électoral. Gros point. Ouais. Surtout une année comme cette année. Exactement. Pour que ça ne soit pas... Steve Robert veut faire sa campagne sur « Hey, on va couper les coûts à l'AMRAC ». Non. On est emmené, on a travaillé avec... on a fait venir une firme externe pour analyser comment nous coûte l'AMRAC, comment devrait nous coûter l'AMRAC, tu sais, comment comparativement à d'autres endroits semblables au Québec. Puis on a travaillé avec le conseil d'administration, M. Éric Svigny, qui a été très collaborateur. On est emmené avec une entente de 5 ans. Puis au bout de 5 ans, le coût qu'on paye présentement, on va avoir diminué de 100 000 $. Ça veut dire qu'on a une entente progressive que dans 5 ans, les coûts de la ville vont avoir diminué sur le montant qu'on met, pas pour réparer les passerelles, mais le montant de fonctionnement qu'on mettait dedans. On demande à l'AMRAC d'aller chercher d'autres revenus ailleurs, d'être plus inventif là-dessus. Fait qu'on a eu une belle entente qu'on va... Une portion qu'on diminue d'ici 5 ans. De plus, il y a une portion qui va être fixe pour les budgets d'opération. Puis un budget qui va être... C'est-à-dire qui va être ajustable pour... ils vont faire des projets avec la ville. On va travailler plus en équipe avec eux autres que la ville. Mais on va avoir des projets. Ils ont des gens compétents à l'AMRAC. On va servir de ces gens-là pour faire avancer nos projets. Puis la même chose... Eux vont nous présenter des projets qu'on va accepter, qui travaillent là-dessus dans le budget qu'on va avoir attribué à cet endroit-là. Oui, parce que c'est un joyau à découvrir, à populariser davantage, à promotionner davantage. On n'a qu'à regarder ce qui s'est fait avec la gorge de Coaticook depuis 5 ans et la publicité qui s'en est dégagée, qui attire de plus en plus de touristes. On peut faire la même chose. Non, c'est sûr que c'est un très, très bel endroit qui n'est pas développé encore. Qui peut à son encore maximum. Être développé... améliorer encore. Et j'espère que ça va fonctionner. Il y a aussi la fameuse histoire de Diversigo, Diversi quelque chose. Ouais, ouais. Là. On n'en est pas encore rendu là, mais je pense que vous posez beaucoup de questions à la Ville en ce moment-là. Ouais, personnellement, que ce soit là ou à un autre endroit, j'ai pas, pour moi, je n'ai pas de préférence, mais je trouve que c'est intéressant pour nos jeunes de Magog. Oui, parce qu'on a besoin de les voir faire ça que plutôt traîner dans les ruelles et faire autre chose. Moi, je trouvais que c'était intéressant à l'endroit qu'ils demandaient là parce que j'associe ça un peu au glissade d'eau à Bromont. Moi, quand je vais là avec ma famille, mes jeunes, j'achète une passe de saison pour aller l'été, puis les parents, on peut s'asseoir sur le bord de la piscine ou à quelque part. C'est bien de faire, puis tu t'amuses. Les autres s'amusent là. Fait que je trouvais que c'était une belle place à amener à Magog. Puis aussi, si c'est un parc de Magog, il faut qu'on puisse faire bouger nos jeunes puis avoir des activités intéressantes pour les familles. Là. On veut attirer des familles à Magog, fait qu'il faut mettre des atouts dans notre jeu de cartes. Bien, voilà que c'est fait. Hey, merci de la belle visite. Puis c'est pas un enjeu électoral en passant, l'histoire qu'il vient de dire là. L'AMRAC, par exemple, c'est son bébé à lui. Puis les deux glaces, on verra ce qui va arriver. On s'en parle bientôt. Merci. Petite pause et surprise sur le plateau. De retour sur le plateau la semaine prochaine. On a beaucoup parlé avec Cyril. Il est en vacances pour 2 semaines. On va faire venir un chef qui est Sandra Ivacic. Elle travaille dans un beau petit restaurant à déjeuner à Saint-Élie-d'Orford, ex-fruits, ex-œuf, ex-qui. Et elle nous fait ce que l'on appelle, nous, un régal qui ne se fait pas ailleurs. C'est le trio de crêpes bretonnes. Pendant que je vous parle par la magie des ondes avec Marco, là, vous voyez apparaître l'assiette. C'est une première crêpe avec pâte pâtissière et framboise. La seconde, crème pâtissière et bleuet. La troisième, crème pâtissière et banane, enrobé d'un beau coulis de fraises et 3-4 fraises sur le top. Délicieux, pour ne pas dire écœurant. Donc, la semaine prochaine, elle vient nous en faire sur le plateau et on pourra faire des dégustations, ceux qui seront avec nous, pour assister à l'émission depuis l'Estrimont Suite et Spa. Elle adore les desserts et sa taille de guêpe l'empêche pas d'en manger beaucoup de trios de crêpes bretonnes. Stéphanie Desmalles, bonjour. Bonjour. Ça a l'air bon ce que je dis, hein? Oui. Tous les mardis, je me garde avec ça. Je suis une grande fan de crêpes.
ça vaut la peine d'aller essayer ça, d'ailleurs, à Saint-Élie, là, dans le petit complexe La Roche. Là, vous avez l'endroit idéal pour ça. Aujourd'hui, on va faire 10 façons magiques de pimper son jardin. Qu'est-ce qu'on veut dire par pimper? Rendre un jardin ordinaire extraordinaire. Ah bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, lui donner les couleurs de ce que vous êtes, de votre personnalité. T'sais, souvent, on achète une nouvelle maison dans un quartier, les maisons sont toutes pareilles, il n'y a pas encore bien d'aménagement. C'est drame pas mal. Ça fait drame un petit peu. Ben, y a plein de façons de pimper son jardin, puis aussi de le rendre unique pour tous les prix, pour tous les âges. Il n'y a pas de... Imagination. Oui, ça prend l'imagination. Ça prend ça, dans le fond. Ça prend ça, oui, okay. Exactement. Ben, je te laisse aller, vas-y. Ben, alors, je commencerai par découvrir des artistes locaux. Ah bon? Parce qu'on a des super artistes ici en Estrie, mais partout au Québec aussi. Puis ça vaut vraiment la peine de faire une petite recherche, puis d'aller leur jaser ça, d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. On n'y pense pas souvent à ça. On n'y pense pas, non. Mais parce qu'on a dans l'esprit que c'est très, très cher, puis que c'est au-dessus de nos budgets, mais c'est pas tout le temps le cas. Et où, oui, peut-être que ça va être plus cher que ce qu'on avait prévu, mais il faut penser que c'est une œuvre d'art qui va perdurer dans le temps, qui va prendre la valeur, que vous allez coucher sur votre testament, tu sais, ça peut aller loin. Donc, c'est un investissement quelque part, là. Et toi, tu es bien placé pour en conseiller. Si on n'en connaît pas, on peut, avec Stéphanie, en connaître, parce que toi, déjà, tu travailles avec plusieurs. Il y en a plusieurs, mais moi, mes coups de cœur, là... Bien, vas-y! Alors, Patrick Bergeron. Un gars de chez nous, ça? Un gars de chez nous, oui, bon. Pas loin d'ici. C'est un artisan murailleur, puis... Donc, lui, c'est un spécialiste vraiment des murs de pierre, mais il fait des choses extraordinaires. Puis, il s'est lancé dans l'art récemment. Alors, il fait des bancs, comme des genres de bancs de parc, là, mais avec des pierres puis des pots. Ça doit être beau, c'est ça. Très beau. Oui, c'est un peu un art fonctionnel, là. On peut mettre des fleurs dedans, puis c'est ça. Ensuite, il y a Amélie Pomerleau. C'est une travailleuse, elle travaille beaucoup la pierre, mais c'est une artiste... multidisciplinaire. Là. Elle vous fait des beaux jardins. Oui, elle fait beaucoup d'art extérieur avec de la pierre, mais avec d'autres matériaux aussi. C'est très intéressant. On voit ça d'ailleurs à l'écran, là, de très belles œuvres. Elle a beaucoup de charisme. Il y en a d'autres aussi. Hein? Oui, Luc Pelletier. Vous pouvez aller voir ses œuvres au jardin de Harford, Herb Harford, à Harford. Alors, il a fait une panoplie d'œuvres d'art avec des gros bio de bois. Et puis, si vous allez dans les jardins cet été, vous allez pouvoir voir ça. Oh, ça va à peine. Ouais, un très bel artiste aussi qui fait la peinture aussi. Et la dernière que j'ai retenue, c'est Francine beau, la tortue, Noël. Ouais. Oui, elle a toute une gamme d'œuvres d'art recyclées. C'est super intéressant. C'est des animaux, c'est toutes sortes de choses. Puis, il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Puis, c'est ça, c'est de l'art recyclé. Fait que c'est intéressant d'aller voir ça. Donc, Patrick, Amélie, Luc ou Francine, là, c'est des gens de chez nous en Estrie. On a qu'à communiquer avec eux. Puis, il y en a d'autres que tu peux conseiller. Maintenant, on peut ramener les œuvres d'art ou les objets spéciaux de nos voyages et les disposer dans le jardin plutôt que les exposer dans la fenêtre de la maison. Bien, pourquoi pas? Tu sais, on va en voyage. Pourquoi ne pas. Ramener quelque chose qu'on aime, ça fait prolonger les vacances, puis on a une belle vision de quelque chose qu'on a vraiment aimé en voyage, qu'on a rapporté au pays. Juste s'assurer que cet objet-là va survivre aux hivers. Donc, même si c'est en pierre ou vous pensez que c'est en béton, c'est pas tous les bétons et c'est pas toutes les pierres qui peuvent... On peut l'entreposer pour l'hiver. Mais on pourrait, oui, effectivement, l'entreposer dans le garage, dans un endroit où il n'y aura pas d'eau. Parce qu'en fait, si c'est poreux et que l'eau entre à l'intérieur puis qu'il y a un gel-dégel, c'est là que ça peut éclater. Tu me parles également d'une œuvre d'art végétal. Oui, alors les œuvres d'art végétal... Bien, il y en a plusieurs sortes, mais disons, bon, on pourrait aller avec juste la forme des plates-bandes. Ah bon? Si vous allez à Bromont, à l'Académie Jardin de Vie, ils ont fait un... C'est vrai que c'est beau. Oui, c'est très beau. Puis c'est méditatif aussi. C'est un labyrinthe sur le modèle de la cathédrale de Chartres. Donc, c'est un labyrinthe avec un seul... On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se perdre. Ce n'est pas un labyrinthe. En anglais, il y a deux différents labyrinthes. C'est Maze Labyrinth, où on se perd, et l'autre où il y a un seul chemin. Puis c'est très méditatif. Okay. Alors, c'est ça qu'ils ont fait avec des plantes, avec des vivaces. C'est très joli aussi. Et puis sinon, vous pourriez aussi... Parler de jardin vintage? Oui, le jardin vintage. Bien, ça, c'est vraiment fantastique. On peut faire une chasse au trésor. On commence par une chasse au trésor parce que, bien là, on va visiter toutes sortes de places où est-ce qu'on peut trouver des objets qui vont nous servir. Il y en a dans la région? Bien, il y en a. Bien oui, on peut aller à Estrièdes, on peut aller dans des places où ils vendent des antiquités. Il y a plein de matériaux recyclés de l'Estrie à Saint-Denis-Vantin. Aller sur Kijiji, c'est ça. Ou les packs. Alors, ça peut être très simple. Ça peut être des vieilles bottes de pluie qu'on remplit de terre et dans lesquelles on met une vivace ou une annuelle. Ça, je ne savais pas ça. Construire un hôtel
pas l'estrimon, mais pour les insectes. Un hôtel à insectes. Aïe, regardons ça, c'est beau, ça. Ça aussi, ça se trouve au jardin de Herbarford. Et ça a des visées écologiques parce que plus on attire de diversité dans les insectes, plus on va éloigner les insectes ravageurs de nos plates-bandes. Oui, c'est bon. Donc, puis c'est facile à faire aussi. C'est tout avec des matériaux qu'on trouve sur place, du foin, des petites branches, un peu de grillage à poule. Puis là, on fait quelque chose d'un peu artistique. Puis il y a des ça, c'est un modèle très hôtel de luxe, là, 4 étoiles. Mais il y a des modèles très simples qu'on trouve sur Pinterest puis sur Internet. Mettez pas les poules dedans, par exemple. Non. On joue avec l'eau aussi comme suggestion numéro 6. Moi, j'ai beaucoup... C'est vrai que c'est beau. Ça, c'est chez moi. Ben oui. Alors, ben, simplement avoir un baril qui récolte l'eau. Et puis à ça, on rajoute une hose qu'on amène jusqu'au carré de sable. Et ça, mes enfants ont joué des heures et des heures dans ce carré de sable-là à faire des piscines, à faire des rivières, à faire des constructions. Et les enfants s'amusent. Ah, les enfants s'amusent. Et là, c'est leur tour de faire de l'art. On dirait que cette dimension-là de l'eau, là, ça décuple leur imagination. Ils ont vraiment... C'est vrai? Oui, c'est le fun. On peut jouer avec la lumière aussi, quand on en a. Alors, la lumière, bien, pour le soir... Ben oui! Bien, en fait, il y a deux volets. Pour le soir, on pourrait soit prendre des petites chandelles puis les mettre dans des pots maçons, soit les mettre dans des petits sacs de papier le long d'un sentier ou dans le milieu d'une table. Et si c'est de jour, bien là, on pourrait utiliser, encore une fois, c'est un peu vintage, des vitraux qu'on trouverait chez un antiquaire ou encore des miroirs. Souvent, les gens me disent « Ah, mon demi-sous-sol, mon sous-sol, c'est très... c'est lugubre, la lumière ne rentre pas. » Bien, avec un jeu de miroir, on est capable là, de faire entrer la lumière jusque dans le sous-sol. Ça peut être accroché aux arbres. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Ça peut être très beau. Oui, exactement. Driss, arrête tes signaux. Il reste 3 beaux thèmes. Je vais prendre le temps. Je vais lui donner un petit peu plus de temps parce que je ne peux pas rien refuser à Stéphanie. Toi, oui, mais elle, non. Parlons de Land Art. C'est quoi ça, le Land Art? Le Land Art. Ben oui, Land Art. Le Land Art, c'est de l'art avec nos mains et ce qu'on trouve sur place. OK. Donc, c'est vraiment... Ben, l'adresse, on peut le trouver sur place. On va te mettre dans l'empailler, là, dans le cours. On va empailler. Oui. Il va être beau avec son chapeau. Oui. Donc, c'est de l'art avec nos mains comme outil et ce qu'on trouve sur place. Et on trouve quoi sur place? Bien, on va en forêt, Okay. On trouve des feuilles, okay. On trouve des roches, on trouve des branches. Et avec ça, on construit quelque chose sur place. C'est de l'art qui est éphémère. On ne s'attend pas à ce que ça dure des années et des années, excepté si, évidemment, on n'utilise que des matériaux inertes comme des Je ne sais pas si on peut le garder longtemps, lui. Hey, parle-moi aussi du jardin de Stéphanie, le jardin des fées. Le jardin des fées, ça, c'est un concept que j'ai... un peu emprunté, mais modifié des écoles Waldorf. En fait, on prend un pot ou n'importe quel contenant avec des trous au fond pour s'assurer qu'il y a un écoulement d'eau, que ça ne fasse pas une piscine. On rajoute de la terre là-dedans et puis on demande aux enfants d'inventer un décor. Alors, une petite maison, un petit tipi, quelque chose comme ça. Des fois, ils vont mettre des petits personnages, des petits arbres et puis, peut-être un petit bassin d'eau, tout ça. Mais la terre qui est exposée, on n'y touche pas. Alors, elle dit épis, hein? Ajouter des épis. Maïs. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Alors, la terre qui est exposée, on n'y touche pas. Et puis, il va... Et puis... Oui. Et puis, c'est pas pareil. Il va pousser là-dessus une végétation spontanée. Ah, ben oui, c'est on vrai, sait pas ça. Ce que ça va être. Ben non. Et ça va belle évoluer. Belle découverte, d'abord. Oui, c'est une découverte. Puis les enfants vont voir l'évolution de ça. Ça va jouer avec les rythmes. Ça va passer à travers les saisons. Et puis, à un moment donné, ça va être un petit cèdre, ça va être des petits arbustes. Là, il va y avoir une évolution. Ça peut être très intéressant à faire. Ça ne coûte pas cher non plus. T'as raison. En 30 secondes, le dixième et non le moindre, le lounge improvisé. Ah bien, ça, c'est mon préféré parce que c'est vraiment le plus relax de la gang. C'est beau. Ouais, alors... Marco aime ça, il me le dit d'ailleurs, Télicino, là. Il s'agit simplement de... Il s'éteint avec sa musique, puis il regarde ça avec son café, puis il est heureux comme un pape. Exactement. On étend nos tapis dehors, deux ou trois tapis, une gang de coussins, un parasol, si on en a un, mais c'est pas obligatoire. Puis le soir, tu regardes les étoiles. Le soir, on peut regarder les étoiles. Ça prend un bon livre puis de la sangria. Si on a tout ça, on a la recette idéale. Madame aime la sangria. Pour pimper son jardin au maximum. Hey, si on veut en savoir plus, ton site Internet.
Alors, mon site Internet, www.stéphaniedemmel.com. Et voilà. Mm. Tu vois, Idriss, tu peux faire ton signal. Là. 5, 4, 3, bye-bye, je t'envoie. Ceci étant dit, merci Stéphanie. Mais ça me fait plaisir. On se revoit très bientôt. Petite pause et oui, il y a de belles surprises qui s'amènent. Daniel Carrière, notre gérant d'estrade, la belle guerre canadien, sénateur. Et surtout, mon coup de cœur aujourd'hui, Dino Masanossi, son histoire de vie dans un instant. On est de retour sur le plateau, on a beaucoup de plaisir. Il fait beau à l'extérieur, un beau week-end. Et il y en aura un meilleur que ça, parce que Sébastien Jacques, lui, va quitter pour une grosse marche le 1er avril au Kim McPherson à Magog. Puis le lendemain, il va faire aussi beau le 2, parce que c'est le défi santé, c'est le rendez-vous annuel cardio-plénaire. Danny Pierre, comment ça va? Ça va très bien, Pélo. Parle-moi Merci. De ça, parce que l'Estrie est gâtée dans trois villes. Sherbrooke, le parc Lucien Blanchard, Granby, le parc Daniel Johnson, et nous, la pointe Mary à Magog. Exactement. Donc, le défi santé, en fait, là, c'est lancé par le gouvernement du Québec. C'est partout au Québec. Dans il y a 50 villes et plus. Plus de 50 villes, effectivement, qui participent au défi santé. Le défi santé, là, de prime abord, c'est en fait le défi 5-30. Là. Donc, on veut avoir 5 minutes, pas 5 minutes, pardon, mais 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour et un sommeil récupérateur. Donc, le défi santé, ça, c'est le gouvernement du Québec qui lance ça pour sensibiliser les gens à avoir des saines habitudes de vie, finalement. Puis, dans le cadre du défi santé, il y a les défis actifs, les rendez-vous actifs. Donc, le premier va avoir lieu le 2 avril et le deuxième, le 1er octobre 2017. Ah oui? Oui. Donc, on va les garder pour l'été. Ils vont avoir trop mangé un hamburger et d'autres dogs, donc on les fait envoyer tout ça. Après la poutine. Ils parlent de fruits. Hein. Tu sais ça, que j'ai parlé plutôt à l'émission la semaine prochaine. On va recevoir une chef qui va venir nous faire le trio de crêpes bretonnes. Oh, c'est ça. Et crêpes bretonnes, là, moi, tous les mardis, je me gâte. C'est trois petites crêpes, mais banane, fraise, framboise, bleuet, et également, on rajoute pommes. Les cinq fruits, quand tu viens d'en parler, ils sont là. Ils sont tous là. Il y a dans le coulis de fraises en plus. Qui garde le tout. Peut-être moins bon, là, c'est la crème pâtissière, mais tu vas marcher après puis tu viens de tout perdre. Exact. Comme une activité, ouais. Ben oui. Puis parle-nous comment on fait pour s'inscrire, comment on fait pour se présenter, justement, parce qu'il y a trois portions. Il y a un horaire, il y a un entraînement, puis il y a de l'activité pour tout le monde. Oui, exact. Bien, premièrement, le défi santé, on s'inscrit directement sur le site www.défisanté.ca. C'est gratuit. Ça vous donne des recettes, des trucs, des astuces sur comment planifier finalement votre horaire pour réaliser les objectifs des saines habitudes de vie. Défisanté.ca, c'est pas difficile. Là. Exact. Puis par la suite, en lien avec le défi santé, les rendez-vous actifs, c'est sur cardioplénaire.ca/défi. Trait d'union santé pour connaître les endroits donc dans les villes au Québec où est-ce que le défi santé est donné et pour vous inscrire finalement. Là, ben, chez nous, tout près, là, c'est Magog et Sherbrooke. Un petit peu plus loin, c'est nos amis de Granby. Tu as à 10h15 à midi, tu as de l'entraînement, tu as un 60 minutes d'ailleurs qui est gratuit pour tout le monde. Et ça, c'est bon. J'aime ça, moi. Oui. Donc, la Maison de la famille à Magog a décidé d'offrir le défi actif pour les citoyens là, de la région Memphis-Magog. Et c'est le 60 minutes d'activité physique. Donc, on va faire ça devant le public. C'est vraiment accessible à tous, là, pour les adultes, les enfants, amener vos grands-parents, amener toute la famille. Il va y avoir trois intensités différentes, donc trois entraîneurs sur la scène. Les rouges pour les hautes intensités, les noirs pour intensité intermédiaire et les blancs pour intensité modérée. Donc, tout le monde peut trouver son niveau d'activité là, qu'il veut donner. Donc, c'est vraiment accessible pour Question, tout le monde. On va amener les enfants. On a trois, quatre bambinos. On fait quoi? Les laisse dans la poussette, les laisse jouer autour de nous. On peut le faire? Oui, absolument. Okay. Ça va être fixe. Donc, dans le parc de la Pointe Mary à Magog, le 2 avril. L'entraînement débute à 10h30 pile. Donc, on vous demande d'arriver un petit peu à l'avance. Puis à 10 heures, je vous dirais là, que c'est l'idéal pour arriver, pour éviter les engorgements dans le stationnement. Et en plus de ça, ça va permettre le temps de faire le tour des kiosques. Oui, parce qu'il y a des kiosques d'information. Absolument. Plusieurs prix à gagner également. Là, rapidement, comme ça, il y a environ au-dessus de 1000 $ à gagner là, juste au parc de la Pointe Mary avec nos partenaires. Donc, faire le tour des kiosques, remplir les petits coupons pour les tirages. Mais faire de l'exercice, important. Absolument, faire l'exercice. Donc, l'entraînement 10h30 à 11h30. 11h35, les tirages des prix.
Puis après ça, tout le monde est content. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment... Faites-en pas, mesdames. Oui, il va être là, puis c'est lui qui fait les exercices. Puis il se prépare pour les X-Men, il se prépare pour les X-Trail, puis il se prépare pour le marathon de Magog, puis le marathon de Sherbrooke. C'est un gars qui donne les exercices de départ. Il est bon là-dedans. Exact. Oui, c'est vrai, on s'est vu. Ben oui, il faut pas retourner encore cette année avec Sutton, avec Orford et avec Sherbrooke pour les 8 activités de l'ami Nicolas Taillefer. Exact, on va être présent, oui. Donc, on rappelle, c'est le 2 avril. Toi, tu es ici à Magog. Oui. Donc, moi, je suis ici à Magog. Mes collègues à Sherbrooke vont être là au Parc Blanchard. Mes collègues à Grimby vont Daniel être Johnson. Au Parc Daniel Johnson. Et nous autres, on est ici à la Pointe Mary. 2 avril, c'est un rendez-vous. Inscrivez-vous, présentez-vous. On veut le plus de monde possible. C'est accessible pour tout le monde. Puis rappelle l'heure que tu veux, là, de bonne heure. Là. 10 heures. OK. 10 heures, on vous veut, ça part à 10h30. À midi, on vous renvoie. Si vous voulez continuer, on va vous donner une autre 60 minutes. Ben pas oui, gratuit, je vais être là. Ben oui, puis rappelle les deux sites Internet. Site Internet, défisanté.ca pour s'inscrire vraiment au Défi Santé. Donc, 5 portions de légumes, fruits et légumes, 30 minutes d'activité par jour. Et cardioplenaire.ca/défi-santé pour vous inscrire vraiment au Défi Santé du 2 avril prochain. Puis c'est pas vrai que les fraises, c'est pesticide au bout. C'est pas vrai que les épinards, c'est pesticide au bout. Puis c'est pas vrai que le céleri, c'est pesticide au bout. Lavez-les, il n'y aura pas de problème. Exact. Et voilà. Hey, merci. Bien, merci, Pello. Petite pause. Le gérant d'Estrade s'amène, Daniel Carrière, dans un moment. On est de retour à l'émission et avant de parler avec Daniel Carrière, notre gérant d'Estrade, cette semaine, ma bonne amie de Radio-TV à Montréal, Roland Mayotte, m'a envoyé le livre qui est sorti dans toutes les librairies et qui raconte La Coursière, l'homme de l'eau, ce grand nageur, Régent La Coursière, qui a vaincu 15 fois la traversée du lac Saint-Jean. Ça raconte son périple. C'est lui qui avait donné les premiers cours à Montréal pour les bébés dans l'eau dans les années 60-70. C'est un excellent livre de Régent Lacourcière à lire, L'homme de l'eau. Et la préface est d'un autre et grand champion, Alexandre Despatie, donc à se procurer, Régent Lacourcière. Monsieur Carrière, comment va-t-il? Salut, Jules. Daniel, ça bouge, il reste moins de match. Canadien toujours par 3. Les Sénateurs, un match en main. Boston en perd. Toronto est à 1 point. Il peut y avoir des surprises d'ici la fin. Je pense que c'est dans l'Est qu'on va avoir plus de surprises pour le 4e mars. Je pense qu'on serré. On voit ici, là, 78, 77, 75. On parle de Tampa Bay, Islanders. Je pense que... Moi, je les oublie, ils sont déjà morts pour moi. Bien, je pense qu'ils vont chicaner les autres pour la place pour Toronto. C'est assuré pour les Rangers. Canadiens, je pense que ça va quand même bien. On voit qu'ils gagnent des matchs, des fois pour des équipes plus difficiles, qui ont de la misère. Puis je pense que les Canadiens, ils gagnent tout un petit peu à la dernière minute. Ça, c'est vrai. Puis contre des clubs un petit peu plus faibles, on dirait qu'on trouve un petit peu plus de misère. Mais je pense que ça augure bien pour les Canadiens. Je pense qu'ils vont être moins fatigués en série, vu qu'ils ont beaucoup de gros et grands joueurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les autres années? Ça va être des bonnes séries, surtout quand on voit Washington, Pittsburgh et Columbus qui sont très hauts d'un point. C'est quand même des machines à marquer des buts. C'est qu'est-ce que peut-être le Canadien manque actuellement pour aller un petit peu plus loin. Oui, parce que c'est une moyenne de 2 buts par match, même si on en alloue une moyenne de 2. Ouais. Puis on perd par 1, comme en sortant mardi soir. Il y a le mois d'avril qui s'amène avec 5 matchs. Ils en ont 4 sur la route. Puis ils terminent à Détroit, la bête noire de cette semaine. Ils sont pas facile sur la route, le Canadien. On a de la difficulté cette année. Non, tout simplement aussi, ils vont pogner, je pense, la Caroline jeudi. Ouais. Encore un club en fin de peloton. Le Canadien, on dirait qu'on tourne un petit peu plus de misère ou bien laisser aller. Toi, c'est quand même dur à imaginer. C'est des points quand même gratuits qu'on pourrait aller chercher. Mais je pense que contre la Caroline, il devrait sortir fort. Faut qu'il sorte fort. Pour les autres affrontements, je pense qu'il mise beaucoup sur le gardien Carey Price. Il faut qu'un gars comme Galchenyuk produise. Gallagher. Pacioretty, 2 buts dans ses 10 derniers matchs. Mais il a quand même contribué beaucoup dans l'année. Dano en a un dans ses 12 derniers aussi. Mais je pense que le noyau de Plekanec, Galchenyuk puis Gallagher, je pense que ces joueurs-là, faut qu'ils fassent plus de points pour que le Canadien. Il faut arrêter aussi de penser que le Schtroumpf va tout marquer, Paul Byron, qui est une belle surprise. Moi, c'est ma 4e étoile dans l'année, le trophée Jacques Beauchamp, là. Paul Byron avec ses 20 buts. Ça, c'est du bonus que tu t'attendais pas.
Écoute, Paul Byron, c'est une machine. C'est un genre de, comme on dirait dans le temps, là, un patineur là, ultra rapide. Je pense pour tout ce qui est échappé ou prendre une distance sur un défenseur, je pense qu'il l'a, lui, la petite coche de plus pour pouvoir avancer plus. Mais c'est un joueur qu'on voyait pas du tout là, qu'on a. On est bien content, on l'apprécie. Je pense que dans l'avenir, ça nous en prend d'autres, des petits joueurs comme ça, pour pouvoir s'améliorer. Si ça se termine en ce moment, c'est Canadiens Rangers. Oui. Je pense que Canadiens a gagné tous ses matchs contre les Rangers cette année. Et les gens se demandent pourquoi je dis Rangers, c'est pas la même division que le Canadien, parce que c'est l'équipe qui, en ce moment, a le plus haut pointage que la quatrième qui pourrait être dans la division des Canadiens, qui ne l'a pas, ce pointage-là, pour la conférence. C'est ça. Je pense que c'est un bon club, les Rangers. Le Canadien n'a pas eu... Ça peut peut-être être le bête noir, mais je pense que durant l'année, ils n'ont pas eu vraiment de difficultés contre les Rangers. Puis je pense que ça va être pas facile, mais je pense que c'est mieux qu'un autre club. Dans l'Ouest, c'est pas facile non plus. Minnesota-Chicago, c'est une belle lutte. Anaheim et San Jose, c'est une belle lutte également. Et la belle surprise de l'année, bien, c'est Edmonton et Connor McDavid. Écoute, je ne sais pas ça fait combien d'années, j'ai pas checké avant de partir, mais ça fait quand même plusieurs années qu'Edmonton n'est pas dans les séries. Bien, c'est sûr. Et je pense que le regroupement de ce club de jeunes joueurs-là, ça va être juste un aperçu d'un série, qu'est-ce qu'on va voir à l'avenir. Puis je pense que Edmonton, avec le talent et la jeunesse, mais qui se mettent à gagner, ça va être, je pense, pour plusieurs années. Et surtout, ils ont maintenant un gars qui s'est gagné des mises en jeu, qu'on ne faisait plus jouer à Montréal et qui gagne ses mises en jeu parce qu'on lui fait confiance à Edmonton. C'est un deuxième souffle pour David Desharnais. Oui, en passant, il va très bien, David Desharnais à Edmonton. Puis je pense que David Desharnais, je pense que c'est le genre de joueur, faut qu'il apporte. C'était pas un marqueur, c'était un passeur. Je pense qu'ils ont beaucoup de marqueurs chez les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'un gars comme Desharnais peut apporter beaucoup de transition avec sa passe pour pouvoir marquer plus. Je pense que deux talents de marqueur ensemble fonctionnent moins bien que plus un qui va la donner à l'autre pour pouvoir la mettre. Puis on dit souvent que ça part du centre par la mise en jeu remportée qui est importante en zone ennemie. Desharnais, c'est sa grande facilité et expérience parce qu'il avait été jadis dans le junior majeur l'un des meilleurs. Et moi, ça me rappelle en ce moment dans la Ligue nord-américaine depuis 2 ans. Le gars qui a 58%, 2 ans de suite, remporte ses mises en jeu. Il s'appelle Stéphane Roy avec les Éperviers de Sorel. Okay. Il a 41 ans. C'est le doyen de la Ligue. L'expérience, ça ne s'achète pas. Non, pas vraiment. Je pense qu'un gars comme vous dites, comme Desharnais, qui va apporter beaucoup d'expérience, mais aussi, c'est un très gros travaillant. Chez le Canadien, il s'est toujours battu pour avoir sa place. Puis je pense qu'il ne lâchera jamais David. Puis je souhaite la meilleure des chances à lui. Maintenant, Pittsburgh, Washington, Columbus, ça va être un train d'enfer. Les trois méritent d'être là, mais il y en a un qui va perdre à un moment donné dans la série, là. Écoute, Washington, je pense, c'est comme Vancouver, là, une coupe d'année. Vancouver avait un potentiel pour gagner la coupe cette année. Chaque année, on disait « ça va être Vancouver ». Ils l'ont jamais gagné, la coupe, et Vancouver est comme aujourd'hui, je pense, en reconstruction. Washington, c'est un peu le même principe. C'est cette année, il faut qu'ils gagnent la coupe. Ou pas toutes. Ça fait plusieurs années qu'on dit Washington va la gagner. Écoute, ils font patate. Fait que je pense cette année, s'ils ne gagnent pas cette année, je pense que ça va être fini pour Washington. Les chances sont passées, je pense. Columbus, John Tortorella, qui arrive de nulle part. C'est une belle année pour lui. Hey, ça, c'est la plus grosse surprise. Oui. Premièrement, on ne croit pas en John Tortorella. Non, l'équipe américaine a fait chou blanc, mais là, il est en train de faire chou vert avec elle. Le genre de coach qu'il est. Dépassé un peu. Dépassé, pas apprécié. Écoute, c'est quand même drôle qu'il ait fait. Il a fouetté les joueurs de Columbus, mais écoute, il y en a qui disent que son message passe 2-3 ans, puis après, ça passe plus, comme à la Mike Keenan. Sûrement. On peut-être l'envoyer en Chine, comme Keenan est parti en Chine après la KHL, puis après la Ligue nationale. Puis moi-même, je suis surpris qu'il se rende jusqu'à la fin de l'année. Personnellement, il va peut-être être l'entraîneur de l'année. Mais écoute, il fait un job incroyable, puis Columbus, je pense qu'il a autant de chance que Washington, Pittsburgh. Il faut faire attention parce que le coach nous écoute, il s'en vient après Dido Masonati. Je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'on dit, là, mais avec, on verra. Il y en a vu d'autres. Qui tu vois, toi, en finale de la Coupe Stanley? Écoute. Bonne question. Finale de la Coupe Stanley, je pense que c'est l'année de Washington. Oh! Oui. Ils sont forts.
Défensivement, ils sont forts. Offensivement, ils sont forts. Quand même, très bon goaler. Je pense qu'ils ont tous les éléments. Ils sont gros, ils sont physiques. Je pense qu'il manque absolument rien à Washington. Si on dirait à Washington, qu'est-ce qu'il lui manque? Rien. Contre qui? Je pense qu'ils sont là. Écoute, là, on parle encore de Chicago. Et voilà. Hein, qui est préparé. Chicago, il est là. Je pense qu'il y a des jeunes joueurs. Ils ont des nouveaux talents. La chimie est là. Le gardien va bien. Ils n'ont pas trop de blessés. Écoute, on va se croiser les doigts, mais je pense que ça ferait une super belle finale. Les Canadiens, tu les vois aller à peu près où? Et ça aurait été où? Je pense qu'ils vont passer la première série. Je pense qu'ils ne passeront pas la deuxième. Oh, à ce point-là. Donc, ils passeraient les Rangers, mais ils ne passeraient pas la deuxième contre peut-être Pittsburgh ou Washington, si ta logique est... Écoute, on a beau avoir le meilleur gardien, je pense, si on ne marque pas de but... Oui, ça, c'est le problème de marquer des buts. Ça va être très dur. Mais il faut que Pacioretty en marque, il faut que Plekanec en remarque, faut que... Tout le monde en marque. Radulov en remarque également s'il veut son contrat de 4-5 à défaut de 8 ans. Ouais. Mais il a dit que c'était pas vrai. On verra. Puis en série, écoute, on a Plekanec qu'on voit pas beaucoup. Toujours effacé en série depuis plusieurs années. Les joueurs, faut qu'ils en donnent plus. On est allé chercher des gros gabarits. Hot. Mais pas nécessairement du talent. OK. Des gros cabarets, mais le seul que je pourrais dire que je suis très content, c'est Jordy Benn. Oui, avec la barbe, ça y fait bien. Écoute, je pourrais le comparer à Shea Weber. Mm-hmm. Fait pas d'erreur, fait pas de revirement. Bonne première passe. Il fait peut-être un petit peu plus de mise en échec, puis dégage plus le devant du filet pour Carey Price. En terminant, dans deux minutes, est-ce que c'est McDavid? C'était pas prévu. Est-ce que c'est Crosby? C'était prévu. Où je pense la plus belle révélation, Brad Marchand, le petit rat, pour gagner le championnat des compteurs. Écoute, c'est pas mon préféré, Brad Marchand. Moi, on le prendrait dans son équipe n'importe quand. On le prendrait, mais c'est pas le joueur que je préfère parce que il est quand même, il fait des petits coups in the side. Excusez l'expression, mais il est pas propre, Brad Marchand. Mais quelle saison il a? Moi, mon cœur, je pense qu'il est pour le nouveau. McDavid. Pour McDavid. Mais peut-être qu'au finish, ça va être Crosby. Crosby. Déjà 40 buts. Écoute, un de ces deux-là, je pense, je serais très... On l'a vu cette semaine, il a marqué d'une main. Il faut le faire entre deux défenseurs. En plus du revers. Oui. Ça, mais le petit rat d'être là, c'est déjà une belle surprise en soi. C'est super bien, surtout avec un club qui est nouveau comme ça, pas trop d'expérience. Écoute, c'est le joueur qu'on attendait, je pense, qui va remplacer Crosby. Et le gardien de l'année. Et le gardien de l'année. Non, mais c'est qui le gardien de l'année? Écoute, le gardien de l'année, on parle encore de Price. Ouais. On a Holtby. Ouais. Je pense qu'il a fait une belle... je pense qu'il y en a qui ont Bobrovsky. En plein ça. Le gars Columbus, même, c'est mon choix. Année. Si j'avais à voter. Écoute, je pense que ça va se déterminer dans les derniers matchs. Carey Price a eu une très bonne saison. Là, il va bien, mais il y a eu un creux. Remontera-t-il la pente? Bobrovsky n'en a pas eu, puis Holtby n'en a pas eu. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, je pense que dans le 10 matchs qui va se passer... Là, hey, on surveille ça. Je pense que tout... Merci, Daniel. Oui. Avec le coach en vient, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Oui. Ça promet dans un instant, mesdames, messieurs. Un beau coup de cœur pour moi, Dino Massarotti. De retour sur le plateau, on vous le rappelle, les mercredis, vous pouvez venir nous rencontrer et assister à l'enregistrement et voir comment se fait une émission de télé comme celle-ci, on jase avec Pélo, depuis l'Estrémont suite Espa. Le temps de quelques instants, sa vie a basculé lors d'un match de hockey amical il y a un an. Aujourd'hui, ce grand coach de carrière qui a passé sa vie sur la glace revit grâce à ce qu'il a toujours pensé et ce qui a bien malheureusement failli le tuer, soit le hockey. Dino Massanotti, bonjour. C'est un plaisir, un honneur de t'avoir sur mon plateau de TV. Dis-nous comment c'est arrivé le 9 février alors que tu voulais aller marquer encore une tonne de buts. En 2016, il y a un an, là. Il y a exactement un an. Excusez ma voix, mon trémolo est très bas. C'est pas un problème. J'étais allé jouer au hockey avec des amis. On jouait tout le temps à la même place, à Ville-la-Salle, à l'aréna, Jacques Lemaire. Où a déjà eu lieu les rapides de la Ligue semi-pro. Exactement. Voilà. Où j'ai déjà coaché les rapides. Et voilà, dans le semi-pro. Les rapides. Le 9 février 2016, je suis allé jouer au hockey. Puis à la fin du match, j'ai dit... Puis en plus, ma chance, je jouais sur la glace avec trois pompiers. OK. Puis j'ai dit à mon meilleur ami, Claude... qui est un pompier. Je dis, Claude, je me sens pas bien.
On dit, Dean, t'as jamais chiolé. Je dis, c'est vrai, c'est vrai. Sauf derrière un banc, en passant. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai dit, m'a arrêté de chioler, j'ai embarqué sur la glace. Puis là, les joueurs s'en allaient en zone offensive. Puis j'étais tout seul en zone défensive. Puis j'ai dit, je peux pas me rendre là-bas. J'ai tombé sur la glace. Puis là, les gars, ils ont capoté. Dino, sur la glace, qu'est-ce que tu fais là? Là, ils sont venus me voir. Puis tout de suite, ils ont commencé à pomper. Ils ont pompé, ils ont pompé. Puis à Ville-la-Salle, l'aréna est là, puis l'hôpital est là. Le building à côté. Là, ils t'ont transporté là. Ils ont appelé l'urgence, ils ont appelé l'ambulance. Ils m'ont emmené à l'urgence à la salle. Puis quand je suis arrivé, je suis décédé. À la salle? Oui. Il n'y avait plus de pouls, il n'y avait plus rien. Ils ont repompé, ils ont continué, ils ont réussi à boire un pouls. Puis ils ont appelé à Montréal la grosse hôpital. Royal Vic. C'est pas le Victoria? Royal ouais, Vic. Oui, ouais, c'est ça. Il m'a emmené en ambulance. Mais quand... là, t'es mort une première fois à la salle. À la salle. Là, on décide de tenter une autre tentative de t'amener au Royal Vic, la grosse hôpital de Montréal. Ils ont réussi, qu'ils ont réussi à boire un pouls. Il m'a emmené à Montréal, je suis décédé une deuxième fois. C'est à la table d'opération au Vic. Non, même pas de table d'opération. Je suis décédé une deuxième fois, puis je suis tombé dans le coma pendant 10 jours. OK. La 8e journée, ils ont téléphoné à la maison, ma copine, mon gars, Marco, Solange. Et ça, c'est la belle histoire qui commence là. Oui. Ils ont dit, ce soir, c'est fini, on va débrancher. Solange puis Marco, ils ont dit non. Puis mes amis proches, ils ont dit non. Ils ont dit, on va... qu'advienne que pourra... On attend. C'est ça. Puis là, après, ils m'ont mis à l'hôpital pendant un petit bout de temps. Là, ils m'ont tourné chez moi. Mais le premier soir, j'étais chez moi. Je savais plus c'était où les toilettes. Puis là, je savais plus comment parler. Mais avant ça, là, oui. Le 8e jour, là, ils veulent te débrancher, ils veulent te dire bye-bye. Oui. Solange, qui est là, dit non. Ton fils dit non. Exact. 2 jours plus tard, il arrive ce que j'appelle le miracle. Oui, tu ressors des morts. Mais... Puis là, il y a quelqu'un dans ta chambre. Puis il y a 2 visages connus que nous, on connaît, toi et moi. Oui. Et ça, c'est une surprise, là. Oui, il y a Guy Boucher, l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa. Puis Jean Perron, qui est très proche de moi, parce que je devais dire avant ce que je faisais, je coachais, mais j'avais parti une nouvelle compagnie. Ça s'appelle Groupe Dynamo. Ce que je faisais, c'est des partout dans le monde, les compagnies ils venaient à Montréal, du monde qui n'avait jamais patiné. Je les mettais sur la glace avec des cours. Et parmi tes entraîneurs de ces cours-là, il y avait notre ami Jean Perron. Jean Perron, petit gars de Ascot Corner dans le canton de l'Est. Ascot Corner, et mon petit gars de McGill University, mon ami Guy Boucher, ton ami également. Oui. Ah oui, mais c'est ça. Puis quand je me suis réveillé, je les ai vus. J'ai dit, ça c'est Jean, puis ça c'est Guy. Puis je suis parti à pleurer. Mais je comprends. Mais sais-tu pourquoi, Gilles, j'ai pleuré? Quand j'ai vu devant moi Jean qui pleurait, puis j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit à Jean, pourquoi tu pleures? Je vais être correct, là, je suis correct. Mais j'ai tellement pleuré parce que je voyais Jean qui pleurait. Puis je disais, parce qu'eux autres, ils savaient. Parce qu'ils ont dit que Dino, il est là, mais peut-être que demain matin... Il sera plus là. Il sera plus là. Puis Guy Boucher, qui est un gars, comme on le voit derrière le banc, très austère, pas facile de percer s'il est pour, s'il est contre. Non. C'est un gars qui est sévère, puis c'est normal, mais c'est un émotif en dedans. Oh, c'est... Tu le connais, Guy, toi? Moi, je l'ai coaché au Cégep Saint-Laurent en 90. On avait tout gagné. Puis j'avais dit, puis c'est pas des blagues, j'avais dit, c'est un monsieur-là, en parlant de Guy, il va se rendre loin dans la vie. Je sais pas s'il va être un coach, il va être un président de compagnie, mais il faisait ses travaux d'école. Il m'avait demandé la permission de faire ça dans la chambre. J'ai dit, Guy, il n'y a pas de problème. Tant que tu te concentres sur le match,
Ça me dérange pas, tu te concentres. C'est un bon joueur de hockey. Oui. C'est un excellent coach. Puis il y en a deux de McGill University dans la Ligue nationale. Guy Boucher, Mike Babcock. Puis il y a des assistants. En plus. Martin Raymond. C'en est un aussi. Vous allez l'entendre parler tantôt. Parce que lui est aussi avec Ottawa. Il était avec McGill avant. C'est en plein ça. Mais là, reviens, là. Oui. C'est beau, là. Là, tu t'en vas à la maison, là, tu te fais dorloter par Solange, là. Non? OK, d'accord. T'es pas dorloté encore? OK, excuse-moi. Attends une minute. OK. Le premier soir, je suis arrivé chez moi. Ouais. Puis je savais plus c'était où les toilettes. Puis là, la voix est belle à comparer à ce que j'avais avant. Là, tu pensais que tu parlais comme Bobinette. Oui, pas mal. OK. Pas mal. OK. Pas mal. Puis là, le premier soir, j'étais chez moi, je m'excuse, là. Je me suis levé dans le lit, j'ai commencé à faire pipi. Oh! Je savais plus c'était où les toilettes. Je savais plus mon nom, comment parler. Là, ils m'ont dit, là, Solange, puis moi, ils ont appelé à l'hôpital, puis ils ont dit, on va le placer. Puis, je dois dire, avant, j'avais vu un neurologue. Puis le neurologue, il a dit, en anglais, je vais le dire exactement comme elle a dit, « he's gonna be alive, but he's gonna be a vegetable. » Oh, là, tu as dit non. C'est pas moi, Dino Massonotti, ils me connaissent pas. Pardon. C'est mais ça. Là, je pouvais pas dire ça, Gilles. OK. Parce que j'étais dans un état, j'étais heureux de vivre, mais je savais pas comment j'étais pour vivre. Puis j'ai pleuré. À tous les soirs que j'étais au centre, pendant 2 mois de temps, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, comment qu'ils peuvent me faire ça? Mais tu peux pas dire ça, Dino. Non. Ils t'ont sauvé la vie. Mais Dino, à travers tout ça, tu as eu une maudite surprise, tu es tombé en bas de ta chaise quand tu as regardé ton Facebook. Tu avais 3000 messages. Oh, oui. Pas deux, pas trois, pas quatre. Il était très connu, le Dino Massonotti, là. Bien, tu sais, en plus, j'ai coaché partout. Bien, je le sais. J'ai coaché en Suisse professionnelle, partout, partout. Hey, t'as deux femmes qui sont venues de la Suisse. Ah, oui. Pas jalouse, Solange, hein? Deux femmes de la Suisse sont venues le voir. Non, mais c'était des partisanes dans le temps. Que tu coachais. Oui. Bien, oui. Puis sont venus me porter de l'argent. Puis ça, ça m'a touché. Oh. C'était les premières journées que je commençais à réaliser le monde. Puis j'ai dit, non, non, non. Hey, ils sont descendus de la Suisse, sont venus me porter 100 francs. Puis j'ai dit, ça, ça me touche. Bien, je comprends. C'était un méchant cadeau du cœur. Mais tu vois, ça, là, c'est grâce à eux autres. Parce qu'au début, ils disaient, il va vivre, mais il ne sera pas capable de reconnaître le monde. Mais j'ai dit, puis à tous les soirs au centre, j'ai dit, ils vont manger de la boîte. Je vais leur prouver, moi, je vais prendre mon temps, puis je vais voir à tous les jours quelqu'un qui vient, je vais le marquer, puis je vais essayer de m'en rappeler. Mais là, Dino Massonotti a trouvé son maudit caractère vite quand on lui a dit, « Mon petit bonhomme, tu vas prendre une marchette ou une canne. » Oh, mon Dieu Seigneur, là, il ne savait pas à qui il s'adressait. J'ai dit, puis je ne devrais pas utiliser ce terme-là. Oui, non? J'ai dit, je ne suis pas une tapette. J'ai dit, je vais apprendre à marcher. Puis c'est avec le respect que j'ai pour les gens gays puis tout ça, j'ai pas de problème avec puis ça. Puis s'il faut, je vais être capable de me rouler par terre, je veux pas de marchette. Non, j'ai dit, j'ai patiné toute ma vie, j'ai fait ça toute ma vie, je vais boiter, je vais traîner par terre. Ceux qui sont pas contents, qu'ils mangent la boîte. T'as bien raison. C'est tout. Puis il y a tellement de focus sur le hockey, ce petit maudit-là, là, qui était au centre de réadaptation Lindsay. Gingras. Gaston Lindsay, mais il s'appelait Gaston Gingras, par hasard. Oh oui. Mais Gaston Gingras, c'était le gaffeux en défensive du Canadien, ça. Mais il était. Pauvre Gaston. Il était impliqué. Il était impliqué là-dedans, Gilles. Ah oui, parce que le nom portait le nom de Lindsay Gingras. Oui, mais c'était un médecin qui était. Oh bon? Moi, je pensais que c'était Gaston. La gaffe. Puis je l'ai vu au Centre Bell tout de suite après. OK. J'ai dit, Gaston, merci pour ton centre. J'ai dit, qu'est-ce que tu parles là, là? Ouais. Puis c'était le médecin, mais. Tu vois, puis ça, le médecin, ça me l'est rendu compte. Tout ce qui est rapport au hockey, c'est resté là. C'est resté là. Puis aujourd'hui, t'as une devise, t'as une règle, tu veux revenir
avant le 9 février et remettre l'équipement d'hockey. Tu rêves à ça? C'est pas un rêve. Non? Ça va se passer. OK. Ça va arriver. S'il faut que je donne deux coups de patin, je vais le faire. J'ai donné ma vie au hockey, puis je pense que juste d'essayer ça. Là, je peux pas. J'ai trop de problèmes au niveau du cerveau. Puis ça va arriver. Je vais m'habiller, puis je vais y aller sur la glace. Puis comme tu dis, deux coups de patin, tu l'auras fait. Oui, oui. Et après ça, tu passes à autre chose. Tu vas donner des conférences? Oui. Parce que ça, c'est important. De rester dans le monde du hockey avec les gens. Oui, puis tu vois, j'ai parti l'équipe du cégep André Laurendeau. Quand ils sont venus, j'avais parti le programme, puis après, je suis parti. Mais j'ai dit, pour moi, c'est important. Puis quand je vais juste faire la nomenclature partout où j'ai coaché, vous allez comprendre après toute l'histoire du hockey. Moi, j'ai commencé, j'ai coaché au cégep André Laurendeau. Après, j'ai coaché l'équipe d'étoiles du collégial. Oui. On jouait contre les plus forts. On jouait, il y avait un tournoi de la Coupe Métro. C'était au cégep Saint-Laurent. Puis j'ai coaché l'équipe d'étoiles du collégial 2A. On jouait contre du collégial 3A, du universitaire. Puis on a gagné la médaille de bronze cette année-là. En 60 secondes, tu es allé partout dans le monde. La Suisse. Ah oui, ah oui. La France, tu as travaillé partout. Oui, oui. J'ai coaché en Suisse pendant 4 ans. Puis je travaille encore avec la France indirectement, avec Martin Boulian, un petit gars du coin à Porotia. Amqui. C'est vrai. Un petit gars d'Amqui. Puis ça, ça me touche, puis ça me tient à cœur. Puis juste vite, vite, le hockey, j'ai commencé au cégep André Laurendeau. Après, je suis allé coacher au cégep Saint-Laurent. Ça, tu l'as mentionné. Oui. Je veux que tu me dises ce chose en terminant, parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui. Le hockey a failli t'enlever la vie, mais le hockey et tout ce que tu gardes là-dedans, ça t'a sauvé la vie, puis aujourd'hui, tu es là. Oui, mais je dois dire une chose. Puis on parle souvent contre les hôpitaux au Québec. Moi, jamais, je suis capable d'entendre quelqu'un pour parler contre les hôpitaux. On se fait mal aux doigts. On va attendre une heure, on chante. Mais moi, c'est sûr, c'est grave ce que j'ai eu. Mais je n'ai pas attendu. Puis si je n'aurais pas joué au hockey avec les ambulanciers, je ne serais pas ici. Puis les pompiers non plus, les pompiers, je ne serais pas là. Puis j'ai eu tellement du bon service dans les hôpitaux. J'ai dit merci à tous les hôpitaux, puis merci à tout le monde, parce que c'est grâce à tous vous autres, si je suis encore là. Vous m'avez donné un support, c'est incroyable. Hey Dino, merci de ta belle visite. Puis t'as pris ta voix, puis tu commences à avoir ton caractère. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Mesdames, messieurs, c'est là-dessus qu'on termine l'émission. C'est un beau témoignage de vie. C'est un beau témoignage que Dino Massanotti vient de nous dire. Profitez-en pour la fin de semaine, sortir dehors, prendre de l'air, vous amuser. On revient la semaine prochaine pour un autre. On jase avec Pélo depuis l'Estrimon Suite Sport. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.